Donc je suis candidat à la COGER communale et dont l'Assemblée générale est prévue pour demain le 3, le samedi 3 à partir de 10h. Donc moi aujourd'hui mes objectifs c'est de pouvoir diriger cette COGER communale. Donc parce que nous savons tous que cette COGER là peut être un pilier de développement, ne serait-ce un cadre de concertation pour la jeunesse fatikoise, ce qui n'a jamais eu. On n'a jamais eu cette occasion pour pouvoir la mettre en place il y a de cela quelques années. Donc des tentatives ont été faites, mais malheureusement, elles ont tous échoué. Donc nous espérons que cette fois-ci, ça sera la bonne et que toute la jeunesse fatikoise va répondre massivement pour aller pour voter la coordination de cette COGER communale. Donc effectivement, parce qu'il y a de cela 2 ans, je peux dire en 2016, donc une initiative COGER a été mise en place où certains candidats ont pu se présenter. Mais durant les échéances de vote, donc ça n'a pas réussi parce que tout simplement certains gens ont voulu vraiment s'imposer sur le sort même de cette jeunesse. Donc on peut dire que le président actuel du Conseil communal de la jeunesse n'a pas du tout fait son travail, ce que la jeunesse attendait de lui. Oui, effectivement, il n'a pas tout à fait son rôle en tant que président du Conseil communal de la jeunesse. Donc il devrait être aujourd'hui un pilier ou bien un sensibilisateur au niveau de toute la jeunesse pour pouvoir fédérer cette jeunesse communale-là qui peut apporter beaucoup de choses. Beaucoup de choses parce que nous constatons que durant pas mal d'années, toute la jeunesse est en quelque sorte frustrée parce qu'il y a le problème de l'emploi qui se pose, mais aussi le problème d'insertion, le problème de formation et de financement. Donc aujourd'hui, ce conseil communal de la jeunesse devrait être un fédérateur pour pouvoir au moins se rassembler toute cette jeunesse communale. Mais est-ce que tu es bien outillé pour pouvoir diriger ce conseil communal? Effectivement, je suis bien outillé, que ce soit en matière professionnelle, mais aussi je peux dire que j'ai un certain bagage intellectuel qui me permet aujourd'hui de diriger cette COGER communale. Donc j'ai été membre de l'APR actif, donc j'ai beaucoup fait pour le président de la République et aussi pour mon parti, à savoir l'APR. Et quel est l'appel maintenant vis-à-vis de la jeunesse d'aujourd'hui, surtout la jeunesse de Fatick? Oui, on sait qu'aujourd'hui les nerfs sont un peu tendus, parce que dès demain c'est un enjeu de taille qui va se présenter au niveau de la commune, ça veut dire installer cette COGER communale. Donc je lance un appel à toute la jeunesse d'avoir un esprit de dépassement, qu'ils cherchent qu'aujourd'hui cette COGER-là peut être peut résoudre pas mal de problèmes que la jeunesse est en train de vivre actuellement. Ouais. Et donc le meilleur profil? Donc le meilleur profil aujourd'hui, c'est de venir en solo, respectueux des règles du parti, mais aussi d'avoir la tête froide et essayer de mettre sur place cette COGER communale. Et choisir Momodou Ndour comme candidat idéal. Alias Unis pour servir. Sur CINTV, Sénégal. Politique, people, éducation, sport, culture, art. Pour plus de merveilles, abonnez-vous sur CINTV Sénégal. Regardez CINTV au Sénégal, mon frère. CINTV Sénégal. CINTV Sénégal. CINTV Sénégal, meilleure télé. C'est la France qui vous le dit. Assalamu alaikum, bok Sénégal. Wou retour baña sétan CINTV. Man la Michel Perlo from Moscou. Moi passe ma prime CINTV, ñoo ngi sétan CINTV. Bonjour, monsieur et dame. Chers téléspectateurs. Moi, je vous donne le conseil de regarder CINTV TV au Sénégal.